Nous sommes ici dans un point de lavage automoto de la ville de Parakou. Depuis quelques semaines, l'on assiste à une augmentation des prix qui découle de la mise en application stricte de la grille tarifaire du nettoyage des moyens roulants. C'est après avoir installé le bureau qu'on a appliqué effectivement les prix sur tout le lavage. Chez moi ici, j'ai déjà les prix. Mes tarifs sont déjà reconnus par tous mes clients. Depuis qu'on a appliqué les prix là, ils ne m'ont jamais demandé pourquoi on a appliqué, pourquoi on a fait ci, non. Parce que les prix étaient déjà là. Il y a souvent les lavages qui n'appliquent pas les prix. Et souvent, il y a de petits problèmes. C'est pourquoi on a fait appliquer partout. La ville de Parakou est plus grande qu'à Djougou. Mais à Djougou, la moto se lave à 500, comme Cotonou. Mais pourquoi pas Parakou, on va laver la moto à 500. On n'a même pas mis ça à 500, c'est à 400. Alors qu'à Djougou, tout près ici, Ndali, c'est 500 le prix. Pour mettre au propre son engin dans un lieu de lavage automoto, il faut désormais débourser un peu plus. Le prix varie selon les catégories. Les motos, c'est à 400 et à 500. La voiture, ça varie. Il y a 1500 jusqu'à 10 000, même parfois à 15 000, ça dépend. Si on a fait un lavage simple avec le moteur, ça fait à 5 000 francs. Il y a des lavages simples, on peut aspirer dedans et cirer, ça c'est à 1500 et 2 000. Il y a des lavages complets, ça c'est à 10 000 et à 8 000. Mes clients, je ne peux pas dire qu'ils ne viennent pas. Mais ce n'est pas chaque jour. Mais en tout cas, je remercie Dieu, chaque jour que je viens, je travaille. Le secrétaire général de cette association invite les différents promoteurs à se rapprocher des membres de ce bureau afin de se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur. Il y en a jusqu'à présent qui demandent si vraiment l'association existe. L'association existe. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment de vous rapprocher, de vous faire enregistrer pour qu'on puisse vous mettre au parfum de tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va se passer par la suite. Précisons qu'aucun promoteur de lavage n'a le droit de diminuer ou d'augmenter les tarifs, sauf après avoir contacté le bureau.